On tire au hasard une bille dans une urne qui contient 9 billes rouges, 3 billes vertes et 2 bleues. Quelle est la probabilité de tirer une bille qui n'est pas bleue Alors c'est un problème de tirage dans une urne encore. Donc je vais commencer par dessiner l'urne. Voilà, bon, est pas, elle n'est pas transparente, hein, mais là on va imaginer qu'elle est transparente. Et là je vais dessiner dedans les billes. Donc j'en ai d'abord 9. J'ai d'abord 9 billes rouges. 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Voilà. Et ensuite, je vais dessiner les billes vertes. Il y en a 3. 1, 2, 3. Voilà. Et puis enfin, les deux billes bleues que je vais mettre là, par exemple. Voilà. Donc là, en fait, j'ai représenté le contenu de l'urne. Alors, si je me demande quelle est la probabilité de tirer une bille qui n'est pas bleue, eh bien, la première chose, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire une bille qui n'est pas bleue ben Dans ce cas-là, c'est une bille qui est rouge ou bien une bille qui est verte. Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est de trouver la probabilité de tirer une bille rouge ou une bille verte. Hein. C'est une autre façon de dire. Ces deux événements-là sont, sont des événements contraires. Hein. Si elle n'est pas bleue, c'est qu'elle est soit rouge, soit verte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que la probabilité C'est le, le, la, la chance que je, les, quelles sont les chances que je vais avoir de tirer une bille qui n'est pas bleue donc ça, on va aborder ça comme on l'a fait dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes. On va d'abord se demander combien de cas possibles j'ai en tout. En fait, chaque bille peut être prélevée de la même manière. En fait, ça j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Hein, mais c'est un tirage équiprobable, hein, ce qui veut dire que chaque bille a autant de chances que les autres d'être prélevée, au hasard. Voilà. Donc là, en fait, pour euh, compter le nombre de cas possibles, il suffit que je compte le nombre de billes qu'il y a en tout dans, dans, dans l'urne, puisque j'ai autant de chances d'en choisir une que d'en choisir une autre. Donc là, le nombre de cas possibles, ça va être 14, hein, puisque j'ai 9 billes rouges plus 3 billes vertes et 2 plus 2 billes bleues. 9 plus 3 plus 2, ça fait 14. Et on peut les compter ici d'ailleurs. Et bon, en tout cas, j'ai donc 14. Ça, c'est le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles. Voilà. Et puis, du coup, la deuxième chose qu'il faut que je me demande, c'est dans combien de cas la bille que j'ai tirée n'est pas bleue alors je vais compter le nombre de billes qui ne sont pas bleues, hein, finalement. J'ai 9 billes rouges plus 3 billes vertes. Donc en tout, j'ai 12 billes euh, qui ne sont pas bleues. 12 billes qui ne sont pas bleues. Et ça, c'est le nombre, ce qu'on qu appelle d'habitude, le nombre de cas favorables. C'est-à-dire le nombre de cas où, où j'ai l'événement qui m'intéresse. C'est-à-dire ici, j'ai obtenu une bille qui n'est pas bleue. Voilà. Donc finalement, ça y est, là j'ai obtenu la probabilité de tirer une bille qui n'est pas bleue, c'est 12 sur 14. Bon, ça je peux la simplifier, cette fraction, donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Alors j'ai en, en haut 6, 12 divisé par 2 ça fait 6, et en bas 7, 14 divisé par 2. Donc finalement, voilà, ça, la probabilité de tirer une bille qui n'est pas bleue dans cette urne, c'est 6 sur 7, c'est-à-dire que j'ai 6 chances sur 7 de tirer une bille qui n'est pas bleue. Alors maintenant, on va faire celui-ci. On choisit au hasard un nombre dans la liste suivante. Quelle est la probabilité de choisir un multiple de 5 Alors, On a donc ces nombres, ça c'est la liste. Hein. Alors, tous les nombres qui sont là euh, sont équiprobables, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances de, de choisir au hasard l'un plutôt que l'autre. Et ce qu'on doit faire, c'est trouver la probabilité qu'on ait un multiple de 5. Donc en fait, c'est toujours la même chose. On va essayer de déterminer la proportion. De, de cas où euh, on a tiré au hasard un multiple de 5 parmi ces, parmi ces nombres-là. Donc en fait, c'est la fraction des, que représentent les multiples de 5 parmi tout l'ensemble. Donc on va chercher une fraction comme dans les autres cas. Ici, on va mettre le dénominateur, c'est l'ensemble de tous les cas possibles, donc de tous les résultats que je peux obtenir. Donc ça, c'est les cas possibles que je vais mettre ici. Et ça, je peux tout de suite dire combien il y en a. Hein puisque tous les nombres qui sont ici sont équiprobables, en fait, chacun d'eux représente un cas possible. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cas possibles. 12 cas possibles. Alors maintenant, il faut que je compte ceux qui me sont favorables, c'est-à-dire ceux qui donnent un multiple de 5. En fait, il faut que je regarde dans la liste et que je recense tous les multiples de 5, et que je trouve combien il y a de multiples de 5. Alors, je vais déjà recenser les multiples de 5. Donc je vais le faire par exemple en bleu. 32, ce n'est pas un multiple de 5. 49 non plus. Bon, les multiples de 5, je rappelle, hein, c'est ceux qui se terminent par 5 ou 0. Le chiffre des unités, c'est soit 5, soit 0. Donc 49, non. 55, oui. C'est 11 fois 5. 30 aussi, ça se termine par 0, c'est 6 fois 5. 56, non. 28, non. 50, ben oui, ça c'est 5 fois 10. 40 aussi, c'est 8 fois 5. 40 encore, donc ça, on l'entoure aussi. 45, oui, c'est 9 fois 5. 3, non. Et puis 25, oui, c'est 5 fois 5. Voilà, donc là, j'ai recensé tous les multiples de 5 qui sont dans la liste qui m'est donnée. Donc en fait, j'ai recensé tous les cas où on a un multiple de 5 parmi tous les cas possibles. Donc je vais les compter maintenant, ces cas favorables. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc finalement, j'ai 7 cas sur 12. Donc ça, le 7, c'est les cas favorable. Ici, ce sont les multiples de 5. Voilà. Et donc, j'ai le résultat. Il y a 7 chances sur 12 d'avoir de, de, prélevé au hasard un multiple de 5 dans cette liste. Donc, la probabilité, c'est 7 douzièmes. Alors, en voilà un autre. La circonférence d'un disque est 36pi. Alors, un disque, c'est un cercle dont on considère aussi l'intérieur. Donc, je vais en dessiner un ici. Voilà, ça c'est le cercle. Et donc le disque c'est tout l'intérieur. Alors on nous dit que la circonférence de ce disque, donc la circonférence du cercle c'est 36π. Voilà, donc ça c'est cette information-là, la circonférence d'un disque est 36π. À l'intérieur de ce disque est contenu un plus petit disque d'air 16 pi. Un plus petit disque d'air 16π. Alors on ne nous dit pas où il est, hein. je vais le dessiner mais on ne nous dit pas où il est. Donc je vais le mettre n'importe où, ce qui est important c'est qu'il soit à l'intérieur du premier disque. Donc je vais le dessiner par exemple là. Et puis l'information qu'on nous donne, c'est que son aire, donc la mesure de cette surface, de, de, de la surface intérieure ici, c'est 16π. Voilà. Alors ensuite on nous dit qu'on choisit au hasard un point du grand disque. Donc on va choisir au hasard un point là-dedans, dans le grand disque jaune. Et quelle est la probabilité que le point choisi soit un point du petit disque En fait, c'est vraiment ça la situation. On va choisir au hasard un point dans ce grand disque. Et on va se demander quelle est la probabilité que ce point qu'on ait choisi soit aussi un point du petit disque. On l'a en fait choisi dans le petit disque. Alors évidemment, là, ce n'est pas comme les deux autres euh, exemples précédents. Puisque là, on a une infinité de points en fait. Hein. Il, y a, il y a une infinité de points dans le grand disque jaune. Mais il y en a aussi une infinité dans le... Petit disque rose. Donc la situation est différente. On n'a pas un ensemble fini de billes. Donc c'est un tirage, mais ce n'est pas un, un tirage dans un ensemble fini. Et bon, en fait, on va quand même procéder de la même manière. Ici, ce qu'on va dire, en fait, c'est que la probabilité de choisir un point du petit disque, eh c'est le pourcentage de la proportion de points de ce petit disque par rapport au point du grand disque. Donc en fait, on va calculer. Tout simplement le rapport des deux aires, c'est-à-dire l'air du petit disque divisé par l'air du grand disque. Donc voilà. Alors on va on va commencer à le faire. Alors la première chose c'est bien faire attention parce qu'on a, on a envie tout de suite de se lancer dans les calculs et de partir de ce nombre-là, 36π, mais en fait ça c'est la circonférence, hein, ce n'est pas l'air. Donc il faut qu'on calcule déjà l'air de ce grand disque. Alors le problème c'est qu'ici le rayon n'est pas donné. En général, on a la formule de l'air en fonction du rayon. Et là, il faut qu'on trouve ce rayon. Alors ça, on va le trouver à partir de la circonférence. Puisqu'on sait que la circonférence, en général, quand on a un cercle de rayon R, la circonférence, c'est C égale 2pi R. Voilà. Et donc, ici, c'est 36pi qui est égal à 2pi R, Puisque la circonférence, c'est 36pi. Donc, on a 36pi égale 2pi R. Voilà. Là, on peut diviser des deux côtés par 2pi. Hein. Voilà, je vais le faire comme ça. Du coup, ici, ça se simplifie. 2pi divisé par 2π ça fait 1. Donc il reste R dans le nombre de, de droite. Et puis ici, 36π divisé par 2π. Les π se simplifient. On a 36 divisé par 2, ça ça fait 18. Donc on trouve finalement que R, le rayon du grand disque, est égal à 18. Maintenant, on peut calculer l'air de notre grand disque. L'air, c'est π fois R au carré. Donc ici, c'est π fois 18 au carré. Alors je vais poser l'opération ici, 18 au carré c'est 18 fois 18, donc j'ai 8 fois 8, 64, je pose 4 et je retiens 6, 8 fois 1, 8 plus 6, 14, donc ça fait ici 144, ensuite je mets un 0 parce que là je suis dans la place des dizaines, une fois 8, 8 et une fois 1, 1. Effectivement une fois 18 ça fait 18. Alors ensuite je fais l'addition colonne par colonne, 4 plus 0, 4, 4 plus 8, 12, je pose 2 et je retiens 1. 1, 2, 3. 324. Donc finalement, l'air, c'est 324π. Alors maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la probabilité qu'on cherche, P, c'est la probabilité que le point choisi au hasard soit en fait un point du petit disque. Alors cette probabilité, je vais la poser comme ça. La probabilité P, c'est... Le rapport des deux aires, donc l'air du, du petit disque, c'est 16pi divisé par l'air du grand disque qui est 324pi. Alors, les pi se simplifient, il nous reste 16 sur 324, là, 16 est divisible par 4, 324 aussi, a priori, on va le faire, donc 16 divisé par 4, ça fait 4, et puis ici, 324 divisé par 4. Alors dans, 300, dans 32, on peut mettre 8 fois 4, donc dans 320, on peut mettre 80 fois 4, et il reste ce 4-là, donc ça va faire 81 ici. Tu peux vérifier, hein, tu peux poser la division si tu veux, ou multiplier 80 par 4 pour vérifier. Voilà, donc on trouve finalement ce résultat-là. C'est la probabilité que lorsqu'on choisit un point au hasard dans le grand disque, on, on obtienne en fait un point du petit disque et cette probabilité c'est 4 sur 81.